Satan Douala. Écoute-moi très bien. Si tes parents ne t'ont pas conseillé, si ton coach, le sélectionneur Rigobert Sombana ne t'a pas conseillé, si même le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, ne t'a pas conseillé, moi, je vais le faire. C'est vrai, nous sommes en train d'aller dans le pays de ceux-là qui ont créé le coupé décalé. Je dirais même le pays de ceux-là qui connaissent bien danser le coupé décalé. Mais cher monsieur, tu n'es pas un musicien, tu n'es pas un chanteur, tu n'es non plus un danseur, mais tu es un footballeur. Et si tu es en train de partir en Côte d'Ivoire, c'est le football qui t'amène en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la danse. Tu as fait ta première vidéo, j'ai vu, après l'annonce de ta sélection, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, c'est l'émotion. Deuxième vidéo, j'ai commencé à dire, hey, le type-ci, même dans l'avion, tu danses, mon frère. Tu danses quoi? Tu danses quoi, monsieur Ndouala? Tu danses quoi? Tu es parti danser en Côte d'Ivoire. Tu pars danser en Côte d'Ivoire. Mais mon frère, d'autres ont même dit que tu as 30 ans. D'autres disent 27 ans. D'autres disent 21 ans. Mais on nous dit que tu as 17 ans. Et quand même, je vois ta manière de tourner tes rings, tes trucs là, je peux confirmer vrai que tu as 17 ans, comme on dit là. Mais je te rappelle encore que tu pars en Côte d'Ivoire pour le football. Et c'est le football qui t'amène en Côte d'Ivoire. Et c'est où moi j'ai dit encore, Rico, quand tu vois ton enfant en train de jacasser sur les réseaux sociaux, faire des choses comme ça, tu ne peux pas conseiller ton enfant d'être posé. Le président Samuel Eto'o t'a dit quoi? Ça va? Félicitations. N'aie pas peur, hein? N'aie pas peur, hein? Tu les respectes, mais n'aie pas peur, hein? Hein? Que sois courageux. Sois fort. Tu n'as pas compris le message? Monsieur, sois posé. C'est comme ça que tu vas faire. Qu'on va te faire la passe là-bas en Côte d'Ivoire au stade. Tu vas commencer à tourner terrain. Monsieur, montre-nous les vidéos où tu jongles le ballon. Montre-nous les vidéos où tu es au stade en train de dribbler. Montre-nous ton savoir-faire dans un stade de football, monsieur. Tu es footballeur. Tu n'es pas un danseur, monsieur. Tu danses quoi depuis? Partout tu danses, dans l'avion tu danses. Mais tu danses. En fait, tu es danseur. Tu es danseur. Tu danses quoi? Il faut savoir, du président du continent jusqu'au dernier de la société, au dernier du continent, on vous attend avec le trophée. Nous ne sommes pas en train d'aller à un festival ou bien une cérémonie d'award, de récompense des danseurs. Ce n'est pas la musique award qu'on peut faire, que tu dis que tu t'entraînes dans la danse pour arriver là-bas bien danser. Arafat est mort depuis, ça fait plus de 3 ans, monsieur. Tu penses que tu vas encore aller tourner tes reins? Tu vas tourner d'abord quel rein que le... En Côte d'Ivoire, que le danseur, les danseurs de Arafat ne nous ont pas montré. Monsieur, concentre-toi sur le ballon qui t'amène en Côte d'Ivoire. Et montre-nous le beau football qu'on attend de vous là-bas en Côte d'Ivoire. Vous allez faire vos choses là pendant qu'on est là derrière. On a mis nos organes. Vous allez aller danser là. Hé! Hey, arrête ça. Moi, je te dis encore, arrête ça. C'est souillant. Partout où tu es en train de danser, tu danses quoi? Tu es danseur ou tu es footballeur? Montre-nous comment tu jongles le ballon. Et je profite aussi pour passer le message aux autres lions. Les gars, sachez que nous, on est aux 237 là. On attend le trophée. Oui, Magnon, nous, on attend le trophée ici. Faut pas faire tes trucs. C'est vrai que tout ce que tu fais, on critique. On a même critiqué toujours ta sélection cette fois-ci. Mais au moins, le peuple ne sait pas trop plaindre. On sait plaindre, mais pas trop. Donc, il ne faudrait pas que les erreurs qu'on a eues ici, au Cameroun, quand on a organisé notre CAN et qu'on avait toute la possibilité de remporter cette CAN, vous avez fait vos choses que vous faites là, où vous faites souvent la sélection, que c'est les membres de la famille, ou bien c'est par relation, c'est quoi. Nous, on a perdu cette CAN. On devait déjà avoir 6 étoiles sur notre maillot. Et c'est la nouvelle année 2024, si. C'est une année qui nous donne encore l'opportunité d'avoir une étoile de plus sur notre maillot. Et il le faut. Donc, n'allez pas au stade tourner vos reins comme je vois déjà Monsieur Ndouala, Wilfried fait depuis un certain temps. Monsieur, calmez-vous, concentrez-vous. Entraîne-toi pour nous donner le beau spectacle, le beau football. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur.
Et en passant, n'oubliez pas que je suis partenaire avec l'entreprise de Mana House. Vous connaissez Mana House, l'institut de beauté, le meilleur centre de formation également en ce qui concerne la beauté à Bafoussam. Donc dernièrement, c'était la sortie officielle des enfants qui ont fait 12 mois. C'était la deuxième promotion, 12 mois de formation. Donc je vais vous laisser là pour chuter la vidéo. Vous allez écouter le discours, le beau discours du directeur de ce centre. Et j'invite tous les parents à envoyer vos enfants. Les autres aussi là, les vendeuses de piment, arrêtez le piment, ça n'a pas d'avenir. Si nous voulons construire notre pays, envoyez vos enfants, allez au centre de formation Mana Institute, VTI Mana, vous formez, c'est l'avenir de demain. Cette cérémonie marque ainsi la fin de l'année de formation professionnelle 2022-2023, couplée avec la remise solennelle des parchemins. Monsieur le délégué régional, cette année qui s'achève a débuté en octobre 2023 suivant le calendrier ministériel en charge de la formation professionnelle au Cameroun. L'institut que nous sommes formons dans les spécialités ci-après, graphisme de production, esthétique, cosmétique, coiffure professionnelle, secrétariat bureautique, secrétariat comptable, sur une durée de 12 mois, sanctionné par l'examen national APD. Diplôme et qualification professionnelle. Dans ces spécialités, nous avons accueilli et formé selon le programme homologué du ministère des apprenants intervenant dans trois spécialités, à savoir esthétique cosmétique, coiffure professionnelle et graphisme de production. Il est judicieux de préciser que cette promotion baptisée promotion dynamique de l'espérance a fait preuve de ténacité, d'endurance et de persévérance. Au-delà des exigences de la formation professionnelle, nos apprenants se sont fixés des objectifs et progressivement, ils sont en train de les atteindre. Notre particularité à VTI Mana est le fait que nous mettons un accent sur la formation intégrale de l'apprenant. Pour s'y faire, nous dispensons des cours d'éthique, de déontologie, d'entrepreneuriat et même de religion. Tout un service d'écoute, de conseils et d'orientation a été créé dans cette institution dans l'optique de pallier à certaines dérives que traverse la jeunesse. La discipline est de rigueur parce que nous savons que c'est dans cet élan que suivra la réussite. Une autre précision, c'est le fait que nous accompagnons nos apprenants autant dans le placement de l'emploi au sein des entreprises, au terme de leur formation, que dans le financement des projets à hauteur de 500 000 francs. C'est vrai. Actuellement, où nous parlons, celles de la première promotion sont toutes en service au sein des entreprises, spécialement dans les villes de Bafoussam, Douala, Yaoundé et Kribi. En ce qui concerne les apprenants sortants de la deuxième promotion, 50% ont été recrutés dans les différentes entreprises de la ville de Bafoussam. 30% sont en stage d'approfondissement et d'expérimentation et 20% sont en cours de mise en pied, sont en cours de mise sur pied de leur projet entrepreneurial. Comme vous pouvez le constater, monsieur le délégué régional, ces enfants sont désormais des professionnels. Ce sont des produits finis et prêts à servir notre société camerounaise. C'est dit qu'au regard de ces statistiques, la formation professionnelle est la porte des lendemains meilleurs. Vous nous avez toujours enseigné cela. Est-ce que vous avez fait ça pour lui? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.